Bonjour, bonsoir à tous, ici Battu 55 qui fait une vidéo à une heure pas possible de la nuit. Si vous voulez absolument tout savoir sur ma vie privée, je vais vous dire actuellement il est juste 4h30 du matin. Jusqu'à 3h30 du matin, je fais mes petites vidéos sur soleil comme j'ai prévu sur le plan. Donc du coup vous l'aurez ça, vous l'aurez dans quelques minutes. Enfin, vous l'aurez dans quelques heures. Je pense vers 10h ou midi. Enfin vous les aurez bientôt. Et là je me fais flinguer la tête. Tout ça pour démarrer puis pour avoir de quoi parler. Mais le but n'était pas de me faire violer comme je viens de me faire péter la rondelle en deux à l'instant. Mon but était d'aller racheter le chat. Donc là je suis parti racheter le chat. Aïe. Non, le chat. Wow. Hey, ça va aller maintenant les étoiles de mer là. Non, et donc voilà, l'idée étant. L'idée étant de me racheter le chat et puis après on va au désert Camélia. Et vu que là je suis en train de tourner de la vidéo juste pour faire du contenu et pour perdre du temps comme un bolos, je vous retrouve au désert Camélia une fois que j'aurai racheté mon chat. Je pense que ce sera mieux. A tout de suite. À chaque fois que je vais racheter ce chat, je pense à Hooper. Parce que c'est un bon gros chaton qui me ressuscite. Donc c'est bien. Je suis un chaton, je suis content. Mais oui, c'est un bon chat. Je pense que un de ces jours, je pense que j'en achèterai un de ces jours. Ou je pense que j'irai dans un abri de la SPA et. J'ai récupéré un chat. J'aime bien les chats. Je t'ai jamais parlé, toi. On m'a dit que tu as vaincu le monstre, je savais que tu pouvais faire. Ouais. Bien, c'est très intéressant. Bon, on se retrouve au désert Camélia. A tout de suite, les gens. Alors que nous revoici. Nous sommes au désert Camélia. Avec. Environnement pour le moins hostile, avec ces superbes vers des sables qui ressemblent à des boss du Binding of Isaac. Jeu que je pense que je ferai un de ces jours. Je ferai peu, mais je sais pas si je le ferai, si je filmerai. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un jeu qui a vécu et qui a déjà beaucoup de gens qui ont fait des heures et des heures de LP dessus. Moi, pour l'instant, ce que je vais m'évertuer à faire, c'est de me balader. Dans,
dans le désert. Ce que je vais faire, c'est essayer de me balader dans le désert sans trop mourir. Même si je pense que je vais crever une paire de fois. Ça me paraît inévitable dans ma condition. Mais je vais essayer d'avancer un minimum. Je vais essayer d'avancer un minimum et de dégager maximum de terrain. Parce qu'on doit, on doit se rendre dans un truc qui s'appelle la tour de Babel. Mais alors la tour de Babel, je sais pas du tout où c'est. Je sais pas du tout où ça se trouve. Nous allons devoir chercher. Ce désert m'a l'air relativement vaste, en plus d'être bien hostile. Ah. Je viens de trouver un sac à malin. D'ailleurs, je pense qu'il y aura, certainement des épisodes bonus pour ce que j'aurais éventuellement zappé dans les différentes zones que j'aurais traversées. Parce qu'il y a des choses que... Enfin, il y a des items que je vois, mais j'arrive pas à choper dans l'état actuel des choses. Donc c'est que j'ai dû oublier des endroits où j'ai dû oublier des... Enfin, les endroits où j'ai pas récupéré... j'ai pas récupéré les items, peut-être parce que j'ai pas la compétence pour, peut-être parce que je suis trop nul l'un dans l'autre. Comme je disais, je ferai des vidéos pour récupérer les objets que j'ai loupés. Ah pardon, je viens de récupérer deux sacs à malin en très peu de temps. Je ne sais pas, enfin la route m'a l'air j'ai trouvé une sortie du désert, ça tombe bien parce qu'il faut que je vais aller refaire le pain de vie. Je vais faire le plein de vie à mon fournisseur, mon fournisseur habituel de vie. C'est comme... la plage Diamond quoi en gros. Mais c'est comme par exemple... je sais qu'il y a des endroits où j'ai pas eu... Enfin par exemple la plage Diamond, il y a une pomme d'or que j'ai pas chopée. Il faudra bien que je la chope un jour. À fleur de feu, il y a un monstre que j'ai pas encore affronté, et il faudra que je l'affronte à un moment, ça me paraît évident aussi. Mais bon, tout ce que j'aurais pu louper en cours de LP sera abordé dans des épisodes bonus. Que vous aurez l'occasion de voir. Vu que j'ai récupéré deux sacs à malin et que j'ai un peu exploré le désert camélière, je vais sauvegarder. Voilà. éventuellement, il faudrait que j'arrête de bugger du cerveau, mais faut me comprendre dans le sens où il est 5h du mat et j'ai pas dormi de la nuit. Je fais de l'insomnie, c'est pas très très bon. Et bref. Bon,
cette optique où je fais de l'insomnie. Si, si, si. Dans cette optique où je fais de l'insomnie, je peux pas forcer, je peux pas jouer comme un dieu non plus. Je fais quelques allers-retours, je me replace, je remplis ma jauge de vie, genre. Voilà, j'ai fait le plein de vie. Nous revoilà au désert Camélia. On va continuer à visiter. Alors, les espèces de livers, qui sont une repompe globale de Zelda. La meilleure façon de les avoir, c'est de les attaquer en diagonale. Les vers des sables, c'est de regarder leur pattern. Les livers sont bien chiants, comme dans Zelda. Le désert est très trop grand. Je vais dire très grand, mais j'ai corrigé, je vais dire trop grand. Et sinon, ben c'est beau. C'est joli. J'aime bien les environnements désertiques. Nous avons un puzzle ici. Puzzle. J'ai dû foirer là. Je vais un petit peu explorer cette partie du désert qui, ma foi, m'a l'air fortement mystérieuse. Avec des trous partout. Il y a visiblement un truc à réaliser ici. Il y a virtuellement quelque chose à foutre ici. Je ne sais quoi. En l'occurrence, je vais partir sur sur un truc débile de ce type. Je ne sais pas si ça va être d'une quelconque utilité. On va essayer. Mettons que je pose ça ici. Que je vérifie. Ah d'accord. D'accord. J'ai compris le système, il va falloir que je refasse, malheureusement. Mais on va avancer. Petit puzzle fort sympathique, ma foi. Il faut dégager les côtés. Faire attention vers les sables. Pousser les blocs hors du chemin. Pousser le bloc rouge jusque ici et frapper le bloc rouge qui va faire disparaître le bloc qui m'empêche de passer. Je vais me prendre un cactus dans la tête.
je viens encore de me prendre un cactus dans la tête. Et donc je suis passé. Quelle était l'utilité profonde du passage? Avoir affaire à des levers. Et me faire hit comme une pauvre daube. Et voir de la monnaie disparaître sous mes yeux. Mon épée ne passe pas. Mais bon, ne servent à rien non plus, je suis en train de me rendre compte de ça. Il y a un système... Ah, encore un livers. Est-ce qu'il y a possibilité... Faut que j'aille voir. Il y a sûrement moyen de péter ce bloc là. Pour l'instant, on peut pas y accéder. Un peu compliqué là. Je sais pas trop ce que je. Enfin, je vois bien ce qu'il faut. Enfin, je vois pas mal de choses que je pourrais essayer de faire, mais j'ai l'impression que de faire ces choses me ferait passer outre plein de choses. Enfin, outre une quantité invraisemblable d'items et d'options que je n'aurais pas fait, et que j'ai zappé parce que je passe trop vite. C'est qu'il y a le don de me... Non, c'est pas là que je veux aller. T'es gentil, c'est pas là que je veux aller. T'es gentil, tu me laisses aller où je veux. Ah, oh, bordel. Je viens de comprendre quand ça marchait. Je viens de comprendre comment ce truc marchait. Et c'est catastrophique. Ça me rappelle un truc que j'ai dit dans un mécanisme de jeu que j'avais parlé à un gars pour un jeu sur internet. MMO qui doit sortir cette année. Mais oh, c'est vraiment horrible comme. C'est juste horrible comme. comme contrôle. Je sais pas comment ils ont codé ça, les gens qui ont fait soleil, mais c'est vraiment horrible comme contrôle. Carrément porc quoi. Oh c'est pute. Hey, tu me laisses passer. Ah. Oh la vache. C'est tendu en fait, on n'arrive pas à passer. Ah si, il faut y aller avec beaucoup d'élan. Attention, boule delivers. Et je viens de m'en prendre une, en effet, rollback parce que je suis allé trop vite. Oh. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Et je vais mourir. C'est un raccourci pour repartir ça. Mais je vais mourir, donc ce que je vais faire c'est que je vous re... Ah bah non, je peux pas vous retrouver parce que si je quitte la zone, tout va se réinitialiser. Donc Geronimo, j'ai envie de dire.
Eh ben, j'ai bien fait de faire un Géronimo, j'ai récupéré une pomme en or et j'ai refait plein de vie. Si c'est pas merveilleux, je vois pas trop qu'est-ce qui peut être de merveilleux autre que ça. Bon. Je me boirais bien un café, mais je me demande si c'est bien raisonnable si, 5h30 du matin, un café. Ah. Peut-être. Je verrai ça plus tard. Bon, ça, je continue ma route. Déblayage. ART. Art. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression d'être Serge Karamazov dans Cité de la Peur. Artec. Artec. Qu'est-ce que ça peut bien être? Artec. Pire, c'est que ça me dit quelque chose, Artec. Artec. Artecette. Artec. Et je me prends des dégâts, plus savoir quoi en foutre. Artec. What? 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 Artec. Je me refais plein de vie en attendant, c'est très bien. Le C était une lettre pleine de vitamines. Artec. Artec, Artec. Art.tech. Ça va être un trip des trip des développeurs, mais j'arrive pas à le comprendre. APT. Oui, il est tard les gens, c'est difficile. Hein. Il faut être un tout petit peu indulgent. Moi je vois des hiéroglyphes qui marquent Artec. Et pour moi cette heure-ci, les dunes de sable qui marquent des trucs, ça a juste aucun sens quoi. C'est... Ouais, mais c'est pas la bonne route en attendant. Il y a des pas un peu partout dans le sigle Artec, mais pourquoi Artec déjà? Je sais même plus à quoi ça fait référence. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que ça va me poursuivre. Pourquoi Artec? Qu'est-ce que Artec? Je ne sais pas. Mais Artec bizarre.
là, c'est la technique du trou par trou. Pas aller trop vite. Et bien viser. Le truc de savoir viser, les trous. Oui, voilà, j'ai sauvegardé, hein, il vaut bien aussi de temps en temps.